On profite de ce moment de détente pour se nourrir un peu l'âme. On va parler rapidement de quelques points qui nous permettent de gagner l'amour d'Allah tabarak wa ta'ala. Et chaque musulman, chaque musulmane a besoin tout le temps d'entendre parler de ce sujet. Pourquoi ? Parce que si on gagne l'amour d'Allah tabarak wa ta'ala, c'est bon. Grâce à Allah tabarak wa ta'ala, on a réalisé un immense objectif. Et dans notre religion, quand on décortique les textes de notre religion, on s'aperçoit qu'il y a plein de textes du Coran et de la sunna du prophète alayhi salatu wasalam qui nous enseignent comment gagner l'amour d'Allah tabarak wa ta'ala. Dans un premier temps, on va vous rappeler, parce que c'est que des rappels et le rappel profite aux croyants. On va vous rappeler un hadith qudusi où Allah tabarak wa ta'ala il dit « Et mon serviteur ne se rapproche pas de moi par une chose que j'aime plus que ce que je lui ai imposé. » C'est-à-dire qu'Allah tabarak wa ta'ala, ce qu'il aime par-dessus tout, c'est la réalisation des actes obligatoires. La réalisation des actes obligatoires. Salat, zakat, saum, hajj, ok, hijab. Et d'ailleurs, quand on parle du hijab à nos sœurs, certaines, des fois, elles se sentent offensées, attaquées. Alors que si nous, on en parle, c'est parce que c'est une obligation religieuse. J'avais reçu une question une fois où une sœur, elle me disait, est-ce que je peux aller faire le hajj? Écoutez bien, je ne porte pas le voile. Est-ce que je peux le faire tout en sachant que quand je vais revenir, je ne vais pas le porter? Ok? C'est des choses qui arrivent. Et qu'Allah, il la récompense pour sa franchise. Ben, nous, on la salue et on la félicite, cette personne qui veut faire le hajj. Parce que quelqu'un qui veut faire le hajj, c'est quelqu'un qui veut faire quoi? Quelque chose qui satisfait Allah, n'est-ce pas? Ça, il faut voir ce bon côté de la chose. Mais pourquoi toi qui vas dans cet endroit ou qui a la niya d'aller dans cet endroit, premièrement, tu ne te dis pas, là-bas, je vais demander à Allah, je suis dans le meilleur endroit. Surtout le prophète, il a dit, Al-Hajj, Arafah, Al-Hajj, c'est Arafah. Pourquoi tu ne te dis pas, dès que je vais aller là-bas, je mets le paquet à Arafah pour qu'Allah m'aide à le garder après mon retour du Hajj. Ça, c'est un. Deuxièmement, pourquoi le Hajj, il a autant de valeur dans le cœur et le hijab, qui est une obligation religieuse également, n'en a pas autant? Est-ce que c'est parce que ce n'est pas un pilier de l'islam que c'est une petite obligation? Donc il faudrait que chaque musulman et chaque musulmane valorise ce qu'Allah tabarak wa ta'ala a rendu obligatoire. Comment? En mettant en pratique son dîn. Donc retenez mes frères et sœurs que la chose qu'Allah il aime le plus, c'est la réalisation des actes obligatoires. Puis après Allah tabarak wa ta'ala il nous dit dans le hadith « Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par des œuvres surrogatoires jusqu'à ce que je l'aime. » Allahu Akbar. Les œuvres surrogatoires, les prières surrogatoires. Est-ce qu'on a cet amour? Rabi'a ibn Ka'b al-Aslami, radiyallahu anhu, il parle avec le prophète, et le prophète lui dit, « Sal, ya Rabi'a, demande ce que tu veux. » Il lui dit, « Je te demande ta compagnie au paradis. » Il n'a pas demandé d'aller au paradis seulement. « Je veux ta compagnie au paradis. » C'est fort, hein? Nous, on aurait probablement dit, « Je veux le Jannah. » Ok? Lui, il ne veut pas simplement le paradis, « Je veux ta compagnie au paradis. » Et le prophète, il lui dit, « Autre chose ?» Il lui dit non, c'est que ça. T'imagines si tu avais toi l'occasion de demander au prophète sallam une autre doa, ben voilà, on a tous des projets. Entre la personne qui veut se marier, qui veut réussir ses études, qui veut décrocher un poste, etc. On a tous des doas. Je veux la santé, je veux être préservé, je veux la bénédiction dans mon couple, dans mon foyer, je veux qu'Allah pardonne à mes parents. Plein d'invocations. Le compagnon lui a dit, c'est que ça. Il lui a dit quoi? Il lui a dit, pour cela, multiplie les prosternations. C'est-à-dire multiplie les prières surrogatoires. On en est où par rapport à ça? Tous sont prétend aimer Allah tabarak wa ta'ala. Et la prière, c'est un des plus grands indicateurs de cet amour. Notre rapport avec la salat. Notre rapport avec les aumônes. Des fois, on voit des cotisables circuler un peu partout. Hein, des cagnottes en ligne. Certains, ça les saoule. Mais comment? Si toi, tu ne peux pas donner ou tu n'as pas envie de donner, au moins, copier-coller, comme tu transfères des blagues pas marrantes, des photos éclatées, prends ce lien et transfère ça, au moins tu gagnes des hasanats. Ok? Donc, le fait de... les bons plans hasanats, tu en as plein. Ok? Donc, c'est hyper important de quoi? De multiplier les œuvres surrogatoires. On a parlé de prière, on a parlé d'aumône, on parlera de jeûne et plein d'œuvres surrogatoires. D'accord? Donc, retenez Allah ibarik fikum, ce qu'Allah il aime le plus, c'est quoi? C'est la réalisation des actes obligatoires. Puis,
plus tu vas faire des œuvres surrogatoires, plus Allah il va t'aimer. Ok? Parfait. Retenez surtout la prière, hein, parce que c'est la première chose qu'Allah il va juger le jour du jugement. Ensuite, parmi les moyens de gagner l'amour d'Allah, il y a le fait de lire et méditer le Coran. Ça va être rapide, hein, je vais citer 5 points. La lecture et la méditation du Coran. On est musulman? On sait que notre première source, c'est le Coran, n'est-ce pas? La deuxième, c'est la sunna du prophète, alayhi sallam. Je me pose la question et je vous la pose. Combien de fois par semaine, je ne dis pas par jour, combien de fois par semaine on lit le Coran et on le médite? Et on cherche à se réformer en se disant, Allah me parle. C'est un message pour moi, qui a pour objectif de purifier mon cœur. Combien de fois? Vous connaissez probablement l'homme qui récitait beaucoup sur surat al-Ikhlas, le hadith. Puis après, quand cela est parvenu au prophète, sallam, il l'a questionné, pourquoi? Et il a dit qu'il aimait cette sourate. Et le prophète aime de dire qu'Allah l'a aimé par le fait qu'il a aimé, subhanallah, cette sourate, le Coran. Allah, tabaraka ta'ala, tu gagnes son amour par quoi? Par l'amour que tu as pour son livre. Et il ne suffit pas de l'apprendre par cœur. Il y en a plein qui l'apprennent par cœur et malheureusement, ils ne le mettent pas tous en pratique, pour ne pas généraliser. Ok? Et quand on regarde Omar al-Khattab, pourquoi il a mis autant de temps pour apprendre surat al-Baqarah? Il n'était pas fort en hiv, non? Mais il avançait. Comment? J'apprends, je mets en pratique, j'apprends, je mets en pratique, j'apprends, je mets en pratique. Vous imaginez? Vous savez combien de temps il a mis pour apprendre surat al-Baqarah? Combien? Non. Ouais? 12 ans. 12 ans. Il n'était pas capable, Omar radiallahu anhu, de l'apprendre rapidement? Comme certains le font aujourd'hui. Il y a des enfants qui apprennent surat al-Baqarah vite, oui ou non? La mise en pratique, l'équipe. Et pour cela, nous, on a un problème, c'est quoi? La barrière de la langue. On est limité à quoi? À la langue française. On va le lire parfois en français, on va le méditer en français. Et ça ne va pas aller plus loin pour certains. Il faut impérativement apprendre l'arabe, ce n'est pas difficile. Et comprendre, parce que Wallahi l'azim, quand on lit le Coran, bitadabbur, ça a un effet sur le cœur. Moi, des fois, j'en parle à mes enfants quand on est en voiture, des fois avec eux, vous savez, on met sur YouTube une sourate de Coran. Vous avez vu des fois quand on écoute un rappel, comment ça bombe, ça recharge la foi? Wallahi l'azim, qu'en écoutant le Coran, ça me fait cet effet. Ça me fait un effet sur la foi. C'est les meilleurs rappels. On entend souvent, ouais, j'aime bien ce prêcheur, il est percutant lui, il est éloquent, t'as vu comment il trouve ses mots, ceci, cela. Mais le Coran, la parole d'Allah, tabaraka ta'ala. Donc on a dit quoi pour l'instant? Hein? Donc souder l'obligation et multiplier les offres surrogatoires. Deuxièmement, la lecture du Coran en méditant. Également, le fait d'avoir un bon comportement. Le prophète, il dit, ceux qui ont la balance la plus lourde, c'est ceux qui ont le meilleur comportement. Également, ceux qui sont aimés par Allah, c'est ceux qui ont un bon comportement. Tu gagnes l'amour d'Allah par quoi? Par le fait de prendre sur ton ego et combattre toutes ces maladies qui nous rongent le cœur. La haine, hein, la jalousie, la rancune, l'envie. En plus, l'envie dans quoi? Si c'était dans les choses de din, c'est bien. Envier quelqu'un parce qu'il a du savoir et qu'il enseigne, ou quelqu'un parce qu'il dépense dans les nobles causes. Mais on envie pourquoi nous? On envie une personne parce qu'il a sorti la dernière Ferrari. Il a le dernier iPhone. Il a le dernier. Tout le temps, le mot dernier. Ok? Donc, faire un effort sur le comportement. Et chacun d'entre nous, on connaît nos faiblesses. Un tel qui, voilà, il démarre très vite et il mesure jamais ses propos. Les conséquences sont souvent dramatiques, etc. On a dit. 3, le comportement. 4, le fait de s'aimer pour Allah. Ça nous permet de gagner l'amour d'Allah, tabaraka ta'ala. Vous connaissez tous le hadith, et on vous le rappelle, de l'homme qui est parti visiter un de ses frères. En chemin, qui s'est interposé? Ouais? Non. Hein? Un ange. Un ange, il l'arrêtait en chemin. Et il lui a dit, où vas-tu? Il lui a dit, je vais dans tel endroit pour visiter un de mes frères. Il lui a dit, est-ce qu'il y a un intérêt mondain? Il y a quelque chose, un commerce, quelque chose que vous échangez ensemble? Il lui a dit, non, c'est juste, j'y vais pour Allah. Il lui a dit, sache qu'Allah t'a aimé. Pourquoi? Pour cet acte. Faut qu'on se pose la question aujourd'hui, combien de fois ça nous arrive dans le mois, gardez, je vise large, de nous dire, je vais visiter un tel
pour Allah, pour gagner l'amour d'Allah. Je vais aller visiter un de mes frères en Allah, une de mes sœurs en Allah, donc ils sont entre elles, etc., les membres de la famille. Je vais visiter quelqu'un pour Allah. Ça, ça fait gagner l'amour d'Allah. Et Allah tabaraka ta'ala dit « Wajabat mahabbati lil mutahabbin fi ». Mon amour est acquis de droit. Il est rendu obligatoire. Pour qui ? Pour ceux qui s'aiment en moi. Vous imaginez ? J'aime cette personne parce qu'elle aime Allah. C'est cet amour-là qui nous lie. Et subhanallah, vous avez remarqué une chose, regardez. Il y en a plein parmi nous, ben, ils connaissent quasiment personne dans le groupe. Okay ? Ou peut-être qu'ils en connaissent 2, 3, 4 personnes. Mais il y a quelque chose qui nous relie. C'est cet amour qu'on a pour Allah subhanahu wa ta'ala qui fait qu'on est unis, qu'on est connectés, qu'on est soucieux les uns des autres, qu'on a envie de rendre service, soulager, assister, aider son frère, sa sœur en Allah. Ça, c'est le din, subhanallah. Et c'est une chose, j'ai toujours dit, c'est quelque chose moi qui m'émerveille. Regardez les visages qu'il y a autour de moi. Il y a l'arabe, le non-arabe, il y a le converti, il y a Mayotte, il y a le Sénégal, il y a l'Algérie, il y a la Tunisie. Toutes ces origines, chez nous en islam, elles ne nous divisent pas. Il n'y a pas de frontières chez nous. Au niveau spirituel, il n'y a pas de frontières. On s'aime pour Allah tabaraka wa ta'ala, peu importe la couleur, l'origine, le rang social, etc., etc. Donc apprenez à aimer les gens pour Allah subhanahu wa ta'ala et à les visiter pour Allah. Ok ? Et le dernier point. Allah tabaraka wa ta'ala dit « Qul in kuntum tuhibbun Allah » فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Dis, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Suivez-moi, suivez qui? Allô? Le prophète, alayhi salatu wasalam. Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. On suit beaucoup de gens sur le net. On fait des bilans sur les stories des gens. Ok? On en suit un paquet. Ils ont une influence sur notre vie. La question est, est-ce que le prophète, alayhi salatu wasalam, c'est réellement ton modèle, oui ou non? Si oui, sachez que le Nabi, alayhi salatu wasalam, il est dans nos pensées du matin au soir. À chaque acte, chaque chose que je vais faire dans ma vie me rappelle le prophète, alayhi salatu wasalam. On vient de manger, n'est-ce pas? On a fait des invocations avant ou pas? On a respecté un code dicté par la religion au niveau de manger. Je mange avec la main droite, je bois avec la main droite, etc., etc., n'est-ce pas? J'ai terminé, pareil, j'ai fait des doigts. Ok? Je me lève, bismillah, je vais marcher, je fais attention. À chaque moment, on a quoi? Les enseignements du prophète, alayhi salatu wasalam, qui sont dans notre esprit. Enfin, si tu es arrivé à ça, alhamdoulilah, c'est très très bien. Si ce n'est pas le cas, il y a un effort à faire pour que le prophète soit réellement ton modèle. Parce qu'en le suivant lui, c'est le salut le jour du jugement, c'est la félicité, c'est le Jannah. En suivant les autres, ces faux modèles qui naissent comme des champignons tous les jours sur les réseaux sociaux, tu mets ton dîn en danger. Tu mets ta religion en danger et c'est ce que tu as de plus cher. Donc je me limite à ces points-là. Qui peut me les répéter? Allez, on est parti. 1. Souder l'obligatoire. Et multiplier le surrogatoire pour avoir l'amour d'Allah. 2. Lecture du Coran, méditer le Coran. 3. Le bon comportement. 4. Aimer les gens pour Allah, les visiter pour Allah. Et suivre les enseignements du prophète. Vous êtes bien d'accord avec moi que ce sujet-là, il mérite plus de temps que cela et plus de détails que cela. Mais j'aimerais bien que ces 5 points soient retenus. J'implore Allah tabaraka ta'ala de nous accorder son amour. J'implore Allah Azza wa Jal d'améliorer notre situation